What's your story? What's your sign? I don't wanna seem all rude, but I can't remember where I am. A mattress on an old wood floor and fragments of the night before. I don't wanna waste no time, and you don't wanna waste your love. Even though your kiss on fire, my mind is all blurry now. Feeling low, hard to breathe, but this I know, I won't leave. Waking up in a better my... Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui pour mon 27e weekly vlog. Avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Bla 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 bla. Let's go. Une petite semaine, comme d'habitude quoi. C'est le principe d'un weekly vlog. Mardi 27 juin, 13h52, on se retrouve tout ring lighté, de ring light vêtu, n'est-ce pas? Je viens de tourner le playback of the week, le playback de la semaine. Bon, j'avoue, ça aussi, tu vois. Je suis pas très... La plupart du temps, oui. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a certaines semaines... On est coiffé comment aujourd'hui? Il y a certaines semaines où il n'y a pas de playback, mais là, j'avais promis à quelqu'un d'en faire un pour son anniversaire. Demi, si tu passes par là, mon chaton. Non, je crois que tu regardes pas mes vlogs, mais voilà. Donc, je viens de tourner le playback. Est-ce qu'on adore la répétition? Entre les montages, entre les tournages, entre les vidéos Temu. Bref, tout ça pour te dire que sur Instagram, normalement, tous les jeudis, en story ou en reels, réel, ça dépend, je fais un petit playback, voilà, je m'amuse avec un filtre Snapchat et puis je playbackise, voilà. Oh non, j'ai déjà plus de batterie. Bah, j'espère que ça va, hein. Voilà, je change la batterie, je reviens. Me revoilà, bon YouTube. Plusieurs choses. Je t'ai pas pris hier parce que, une fois de plus, pas envie. Et puis voilà, c'est somme toute une bonne... Une bonne raison. Je regarde parce que j'attends un appel. Donc, excuse-moi, c'est pas très, 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 très poli. Plusieurs choses à dire. Déjà, je vais pas te redire. Plusieurs choses à dire, mais je vais pas te redire. C'est un peu chelou. Je vais pas te redire que c'est pas la forme olympique parce que j'en ai un petit peu marre de me répéter. Oui, je sais. C'est bien moi qui parle. Sauf que je vais certainement te le redire un jour que ça va pas. Mais je me pose une question. Là maintenant, du coup, j'aimerais que tu me répondes à la fin du vlog, peut-être, ou maintenant si tu écris les commentaires en direct, comme certains font, je ne sais pas. J'ai besoin de ton avis, parce que je commence vraiment à me poser des questions, encore plus le jour où, c'est pas fortiori d'actualité, non, tout de suite, mais le jour où je reprendrai un travail, est-ce que ça vaut le coup que je continue les vlogs en vrai? Parce que, alors vous allez me dire... En même temps, je pose la question, mais je sais ce que vous allez me dire, parce qu'il y en a énormément qui me laissent en commentaire, effectivement, comme quoi, même si les vlogs sont courts, comme le dernier, pour le coup. Et j'ai dit que c'est l'un des plus courts, mais non, il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, un mois et demi, je sais plus, j'en avais fait un plus court encore, quand on avait été à Ornans. Bref. Qu'est-ce que vous préférez? En fait, voilà, c'est ça le deal. Est-ce que, peu importe si ça dure 1h, 25 minutes, 12 minutes ou 2h12, est-ce que ça vous plaît quand même? Est-ce que finalement c'est pas très intéressant? Ce que je peux tout à fait entendre, parce que moi-même, genre la semaine dernière, on entend le vlog, j'étais là, ouais. Voilà, voilà. Cette semaine, ça va être un petit peu pareil, parce que j'ai rien de... Si, j'ai des petites choses de prévues, mais je sais pas si je vais te filmer, je sais pas si... Ouais, qu'est-ce que t'en penses? J'ai peur, en fait, de poster pour poster, tu vois, parce que c'est pas le but recherché de base. Même si j'aime bien, moi, ça me dérange pas, mais est-ce que c'est réellement... Est-ce que c'est divertissant pour toi? Est-ce que... Oui, alors, il y en a beaucoup, d'ailleurs. Encore une fois, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, là, hier soir, pour moi, sur le vlog de la semaine dernière. Que vous aimez, justement, les choses simples, les partages comme ça, etc., mais... Ça fait quand même le 27e vlog, tu vois, de l'année. Et c'est de l'automne, les gars, je suis pas maquillée, en tout cas. Et oui, il faut que j'en mets un peu là, mais là, ça prend pas, c'est pas de ma faute. C'est déjà le 27e vlog de l'année, et j'ai de plus en plus l'impression que là, ça se suit et se ressemble. En vrai. Donc dis-moi ce que t'en penses.
Dis-moi ce que t'en penses. Voilà, je prendrai en compte les commentaires. Après, la décision in fine me revient, hein, c'est-à-dire que si j'ai envie de se passer, etc. Voilà. Mais je me dis que c'est... Bref, je sais pas. Voilà, ça c'était la parenthèse vlog. Ton avis, qu'en penses-tu? Est-ce que bien, pas bien? Dis-moi tout. Voilà, ça m'intéresse quand même. Parce que bon, même si moi ça me plaît et je fais en sorte, même si les semaines sont pas ouf, je fais en sorte de faire un montage agréable, tu vois. Mais encore une fois, je reviens là-dessus, agréable pour moi. C'est-à-dire que voilà, je fais pas pour que ça plaise, c'est que moi-même en regardant mon contenu, parce que je regarde mes vidéos avant de les publier, etc. J'ai envie qu'elles soient dynamiques, qu'elles soient. Je l'ai construit un petit peu. Enfin, j'ai construit, ça veut dire que ça serait fake, mais alors pas du tout. Mais j'imagine en fait chaque vlog comme un épisode d'une série, tu vois. C'est-à-dire que voilà, il y a une construction, il y a. Je voulais pas parler longtemps, et voilà qu'on s'égare encore dans des processus. Et donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Quoi qu'il en soit, même si un jour il y a moins de vlogs ou ils sont moins récurrents ou quoi que ce soit, je disparais pas, hein, pas du tout. Je disparais pas de YouTube parce que j'aime beaucoup trop ça. Et voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que ça fait partie d'une remise en question. C'est aussi pour ça que j'ai pas trop vlogué la semaine dernière, parce qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à partager, quoi? À un moment donné, j'ai plus rien à dire. Puis surtout, je me saoule des fois moi-même en parlant, alors. Voilà. Autre chose, donc là, pour toi, ma vidéo n'est pas encore sortie, mais elle sort. On est mardi, donc elle sort demain pour moi, donc il y aura un peu moins d'une semaine pour toi. Je te parle de la vidéo Temu. Et depuis que je l'ai tournée, depuis que je l'ai montée, parce que là elle est déjà toute prête, la miniature. Oh, non, mais écoute, je suis grave en avance, j'ai pas encore répondu à tous les commentaires, mais en termes de contenu, de production, je suis grave au taquet cette semaine. C'est-à-dire que ma vidéo de mercredi, donc qui est une vidéo bonus, une vidéo en plus, il n'y aura pas 3 vidéos par semaine, les gars. Calmez-vous, sauf si un jour vraiment la vie change littéralement et voilà, mais chapeau d'ailleurs, chapeau à tous mes copains, collègues, amis, bref, à tous ceux qui font des vidéos, amis ou pas amis, enfin bref, bravo à tous ceux et celles qui font plusieurs vidéos par semaine, en tout cas plus de deux, parce que déjà deux, j'avais du mal à suivre avec les commentaires et les montages, parce que effectivement les montages me prennent beaucoup de temps, parce que je veux qu'ils me prennent du temps, attention. Ça, c'est encore autre chose. J'ai perdu, j'en étais où? Oui, bravo à ceux qui font plus de 2 vidéos par semaine, parce que c'est clairement du taf de ouf. On ne s'en rend vraiment pas compte, mais c'est vraiment du taf de ouf. Pour la petite anecdote, j'ai passé, on va dire, 3 heures, 3 bonnes heures, 4 heures à monter la vidéo Temu. Et toute l'après-midi d'hier, donc de 4, 13h30, voilà, 21h, 22h, bon, avec des petites pauses, hein, entre-temps, pour manger, faire à manger, tout ça, mais à monter la vidéo que tu auras vue vendredi. C'est le troisième point, je reviens tout de suite. Mais tout ça pour te dire que je suis au taquet parce que tout est fait, tout est bon, il n'y a plus que la miniature de la vidéo avec Thomas à faire et puis la mise en ligne, mais le montage est fini, etc. La vidéo Temu, donc depuis que j'ai tourné, uploadé, mis en ligne, tout ça, ma vidéo, j'ai oublié de te dire à l'intérieur de cette vidéo que évidemment ça n'était pas du tout ni collaboration, ni partenariat, ni sponsorisé. De une, parce que je suis vraiment tout petit. Minuscule et que les marques ne s'intéressent pas à moi. Voilà, on veut pas encore. Si vous êtes une marque, je suis intéressé. Non, blague à part, tu l'as bien vu de toute façon dans ma vidéo que j'avais pas été déçu de ouf, mais clairement c'était pas quelque chose que je te recommande. Donc voilà. Mais c'était important pour moi de le dire suite à toutes les polémiques qui fleurissent un petit peu partout en ce moment. Je suis un client, c'est-à-dire que voilà, je n'ai personne ne m'a rien demandé. J'ai commandé moi-même de mon côté. J'ai même pas pensé pour te dire tellement je suis sot. À utiliser un code promo de qui que ce soit. Donc voilà, c'était le truc que j'ai oublié de te dire parce que ça semblait tellement logique pour moi que du coup je ne l'ai pas précisé. Mais j'anticipe, j'anticipe, j'ai fait une commande, voilà, avec sponsorisé comme disait Laurette par ma carte bleue. Et voilà, donc c'était entièrement mon avis. C'est clair que c'est un site que je te recommande. À voir comment ça se finit, à voir comment ça continue, etc. Il y a des petites choses qui valent clairement le coup, d'autres choses, voilà. Enfin bref, tu auras vu ma vidéo, tu auras, j'espère, bien compris ce que je voulais dire. Même si je suis très 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 content de mes piercings et du petit bracelet coquillage que je porte présentement à la cheville. Mais voilà, c'était pour te dire que je ne l'ai pas précisé, mais c'était des achats que j'ai fait moi-même. Voilà. Parce que j'avais envie et parce que à la base, je voulais faire une commande Shein.
Déjà pour m'acheter des choses pour moi et puis pour te proposer un haul, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul Shein, de commande tout court, mais de haul Shein. Et puis vu que là c'était la nouveauté, il y avait jusqu'à 90% de réduction encore une fois. Excusez-moi de m'excuser, on n'y croit pas trop. Mais voilà, je me suis dit c'est la nouveauté, pourquoi pas. Puis ça peut être intéressant de crash tester finalement aussi ce site, même si clairement il y a 800 millions maintenant de vidéos là-dessus. Voilà, ça c'était pour ça. Et par rapport à la vidéo de vendredi, là comme je te dis, elle n'est pas encore publiée, vu qu'on est mardi, logique. Laisse-moi te dire que j'ai discuté avec ma légende personne d'amour hier soir, qui m'envoie des messages après chacune de mes vidéos pour me faire le résumé, mais j'adore ce moment, parce que, bref, ça c'est entre nous. Oui, ne nous regardez pas, je parle à la légende personne. Et je lui disais que j'avais très très, je sais pas si c'est peur, mais anxieux, j'ai de l'anxiété, de l'appréhension, voilà. Plus de l'appréhension de publier en fait la vidéo et de l'accueil qu'éventuellement elle va recevoir. Je te dis souvent ça par rapport à des vidéos un petit peu intimes, un petit peu tout ça, mais là, en fait, j'ai surtout, je crains surtout les commentaires ou les critiques ou ce que tu veux, genre homophobe et tout, tu vois. Parce que c'est quand même quelque chose qui... Alors, c'est la première fois vraiment que je déléguais, on va dire, une vidéo à ça. Enfin, je consacrais une vidéo que au make-up, parce que j'ai jamais fait encore, parce qu'il va y en avoir, mais des vidéos make-up, des crash test make-up, etc. Là, c'était plus qu'un crash test, c'est carrément une transformation, quelque part. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la voir. C'est donc Thomas, le personnage de Thomas, le personnage drag, on va y arriver, de Thomas, qui s'appelle Brenda Rose, qui me relook en sa fille, qui me fait, en fin de compte, comme si j'étais sa fille. Donc, ouais, j'ai un peu peur des... Je sais pas, des retours, genre... J'ai pas la force, là. Pas la force de supporter la débilité. Le manque d'intelligence, la stupidité, la connerie des gens. Et ça rejoint ce que je te disais il y a plusieurs semaines, genre j'anticipe déjà d'avoir des mauvais retours, alors que le truc il n'est même pas encore sur YouTube. Tu vois, il est dans mon ordinateur, dans mon logiciel de montage, mais pas encore sur YouTube. Donc voilà, je vais la publier parce qu'elle m'a demandé grave du temps de montage, parce que j'adore le montage, parce que j'ai adoré son moment avec Thomas, qui est en plus d'être ma maman drague maintenant, et surtout un ami. Je trouve que le maquillage est très beau, j'ai même fait des réels et des playbacks, enfin pré-enregistrés, etc., que je vais te diffuser dans les jours à venir, enfin après la publication de la vidéo. Donc j'ai pas envie d'avoir déjà demandé à Thomas de consacrer tout un dimanche après-midi à ça, et puis de pas le publier, tu vois. Et moi d'avoir travaillé aussi en amont, de m'être fait transformer, d'avoir fait du montage, tout ça, je vais la publier, mais c'est vrai que j'appréhende un peu, ouais, quand même. Donc voilà. Après, je sais que, peut-être pas 100%, parce que j'en vois certains qui continuent, mais une énorme majorité, on va dire 99,9% des personnes qui regardent régulièrement. Bon, après, les gens, ils peuvent peut-être mettre des pouces en bas sans même avoir regardé la vidéo, je pense que c'est d'ailleurs la majorité des cas. Mais bref, j'ai une immense majorité, voire la majorité, ouais, 99% on va dire, de personnes intelligentes et bienveillantes qui me suivent. Mais ouais, je me dis, voilà, c'est... En même temps, c'est ma personnalité, hein. C'est pas à 38 ans comme ça qu'en 6 mois, je vais changer, quoi. Voilà, c'est tout. C'était le point du jour. Je suis un petit peu aussi, je dois te dire, je suis tristesse. Je suis très très triste. Après le dossier YouTube, on va parler du dossier horticulture. Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais un gros problème d'arrosage, c'est-à-dire que j'arrose beaucoup trop mes plantes. Et bah, j'ai trop arrosé les plantes. Elles sont pas mortes, hein, ça va. Mais il y a ma fleur de lune là qui commence à brunir. Et je parle pas de Carla, hein, je parle vraiment des feuilles blanches qui sont brunes. Donc je les ai coupées parce qu'a priori c'est que j'ai trop arrosé. Voilà. Et surtout, là genre j'ai vu ça ce matin, il commence à avoir une invasion de pucerons dans mon laurier rose sur le balcon. Je suis dégoûté. Donc j'ai un peu regardé sur internet, ce soir je vais mettre un petit spray dessus, et puis j'irai voir pour acheter des coccinelles, des larves de coccinelles. Mais le truc c'est que ça coûte 30 balles cette histoire. Je vais chercher des coccinelles dans un champ, je vais les ramener, je vais les mettre sur mon laurier en vrai. Enfin voilà. Mais en fait, j'adore les plantes, les fleurs et tout, mais j'en retrouve pas la main verte. J'arrose trop, il y en a qui n'arrosent pas du tout, moi j'arrose trop, je les noie, tu vois. Genre Titanic, c'est pas trop d'actualité de parler de Titanic avec tout ce qui s'est passé, mais bref.
Voilà, c'est tout. C'était l'introduction. L'introduction de ce vlog. Et... Ah, mais attends, j'ai filmé un petit bout avec Thomas. Eh ben écoute, je te laisse avec ma sœur et ma mère. Et on se retrouve après. Hey, salut. Non, mais ne crois pas que genre j'allais juste faire une vidéo du vendredi avec cette tête-là. On a... Thomas n'a pas passé... Brenda n'a pas passé... Beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour que genre on m'enlève tout de suite et que je ne t'en fasse pas profiter dans mon weekly vlog. Non, mais à part ça, en vrai, la coiffure, elle est trop belle. Elle est cool, hein. Et le maquillage, le tout fait, sauf la barbe, mais ça fait vachement année, je sais pas pourquoi j'ai année 20, mais c'est peut-être à cause de la façon dont tu as... Mais dis donc, on dirait Catherine Zeta-Jones dans Chicago. Oui, Roxy, que je la bute, putain. Non mais merci beaucoup Thomas, si tu n'as pas vu, si tu te demandes, quoi, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est que tu n'as pas vu ma vidéo de vendredi, ce qui n'est absolument pas bien. Non, 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 nous allons venir chez toi, et attention. Parce que viril, ma gueule. Non, ça va. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo de vendredi où j'ai rencontré ma drague mother, ma maman drague, Brenda Rose, qui a initié la petite Britney Rose à l'art du drag. Et franchement, un méga big up au maquillage de Thomas, parce que ça faisait, tu me disais, quelques années que tu l'avais pas refait. Oui. Enfin, que tu t'étais pas maquillée autant, etc. Et merci beaucoup. Voilà, maintenant, il est l'heure pour nous d'enlever notre perruque. Et je te laisse avec la suite de ce vlog. Voilà. Bisous, bye bye. Attention les enfants, on va venir vous taper. Salut YouTube, nous sommes le mercredi 28 juin, j'allais dire mars, non, ça ne va pas du tout. 28 juin, il est 9h45, je viens d'aller mettre du carburant, de l'essence dans la voiture. Ma vie est vraiment passionnante. Et aujourd'hui, nous partons à Grenoble pour rendre la voiture de fonction à mon mari. Voilà, voilà. Je t'en ai pas parlé avant parce que... Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu stressé et qui me stressent toujours. Depuis plusieurs semaines. Voilà. Il y a un changement de poste. Un changement de travail total. Et plein de choses qui vont avec. Mais bref, c'est comme ça. Et donc, voilà, ça fait partie de mon stress, de mes angoisses, de tout ça. Donc là, on va rendre sa voiture à Grenoble. C'est à peu près 2 heures de la maison. Et c'est vrai, je suis un peu... Pas triste, mais tu sais, un peu déçu, un peu blasé, un peu... Parce que bah, un jour près, j'aurais pu voir ma chatoune, quoi. Donc, voilà. Mais malheureusement, c'était qu'aujourd'hui qu'on pouvait y aller pour rendre l'auto. Donc ma chatoune à l'extant. On est à deux doigts. Non, mais on va se voir, mais je sais pas quand du coup, quoi. Bref. Donc là, j'attends que le mari mette l'essence dans sa voiture à lui. Il fait déjà... voilà, j'étais en contact, mais il faisait genre 29 degrés déjà. Il fait très, 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 très chaud. Et comme je suis un petit peu une quiche, comme je suis une brêle, un gros froussard de la vie, eh ben j'ai... proposé / obligé James de venir avec moi, donc c'est lui qui va conduire. Voilà, donc après je vais passer le chercher et puis bon écoute, on va aller zoner vers Grenoble. Je crois qu'il y a un BM et un Action là-bas, me semble-t-il. Après, même si on va pas faire des folies, hein, clairement ce sera juste bah, pour changer d'air un peu et puis faire quelque chose. Donc voilà, j'ai pris ma caméra, donc peut-être que je te filmerai un petit peu suivant où on va, ce qu'on voit, tout ça. Et puis bah, c'est parti. Par contre, il fait très très beau, c'est hyper agréable. Très chaud, déjà. Très très chaud. Mais voilà. Allez. Un vlog un peu en mode vadrouille. On part en vacances, quelque part. Ah là là. J'ai rien mis sur mon visage, juste l'autobronzant. Tu vois comme quoi, il marche quand même bien. Le petit spray autobronzant de chez Action. Je crois qu'il a fini. Let's go, c'est parti. Grenoble. Here we are. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. About the others, you set my world on fire. You're
side. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the other. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. Dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. Il fait une chaleur, mais une chaleur. On se retrouve jeudi 29 juin. Voilà, il est minuit 11. Mais pour moi, c'est encore mercredi. Vu que je n'ai pas encore dormi. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je tourne pour le vlog. Et je vais te tourner une vidéo. Il est probable que tu aies aussi une vidéo mercredi. Par contre, n'y prends pas trop goût. Parce que ça ne va pas se passer toutes les semaines. Crois-le-moi. Du coup, nous sommes rentrés après cette journée passée dans le département de l'Isère. J'étais perdu. C'était très très sympa. Voilà, on a beaucoup roulé, mais c'était très sympa. Et nous avons été à Grenoble, du coup, comme je te disais plus tôt dans la journée. Je t'ai fait quelques petites images, tu verras. On a été à Aix-les-Bains aussi, on a mangé à Aix-les-Bains. Très sympa, au bord du lac. Bref, tu as vu les images. Mais là, j'essaye de... Tu vois, parce que sinon... Il y en a pour 6 jours. Et on a été au Grand Place. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un centre commercial en fait, en centre-ville de Grenoble. Et bah, ma chatoune, j'ai beaucoup pensé à toi. Et mauvaise idée, pas de penser à toi, mais mauvaise idée d'aller à Grand Place. Le premier mercredi des soldes. Voilà, nous n'y avons pas pensé. Il y avait un monde, YouTube, mais un monde, je ne te raconte pas. Je vais te présenter tout de suite des tout petits achats que nous avons fait chez BM à Épagny, donc à Annecy, sur la route en fait, pour y aller. Et des petits achats, tout petits minuscules, qu'on a fait chez Normal. Je te présente ça tout de suite et je te dis qu'est-ce que je tourne après. Ok ? On y va. Donc là, il y a un petit haul, du coup, dans le vlog. Voilà, parce qu'on aime bien, dans le vlog, mélanger plein de choses. Mais pas que. Donc ça, c'était chez BM. Je vais pas te donner les prix, je te montre juste les achats rapidement. Hein, voilà. Alors, on commence. On a pris des lingettes démaquillantes réutilisables. Bon, elles sont dans la machine, donc elles sont pas là. Mais voilà, j'ai gardé le carton pour te montrer. Et un lot de trois lingettes aussi nettoyantes pour le visage. Voilà, chez BM, là, il y a le prix 1,99€. Là, il n'y a pas le prix. Mais toi-même, tu sais. Ensuite, chez Normal, j'ai mélangé des choses, hein, c'est pas grave. J'ai pris cette laque de la marque Sios Volume Lift, voilà. Donc, comme moi, j'utilise de la laque. Elle est à 2 quelque chose, donc plutôt pas mal. Chez Normal, on a pris ce Lécor hydratant de la marque Evoluderm à l'huile précieuse, à l'huile d'argan et d'onagre. Ils sont hyper bons. Alors, tu sais que moi, c'est pas... J'ai pas le temps d'utiliser ce genre de produit parce que mon mec les utilise très très vite. Mais voilà, du coup il a adoré l'odeur et on a pris ça. Chez BM j'ai repris ces mochis que j'avais déjà pris. C'était pas ce goût là mais il n'y avait plus le goût que j'avais déjà essayé. Au sésame. Voilà donc petit mochi au sésame. Moi j'avais bien aimé donc voilà on a repris un petit paquet. Ça je sais plus où c'était. C'était chez Action, BM ou Normal je sais plus. Des masques en fait en... Je crois que c'était chez Action.
des masques en stick, donc il y a le masque à, des masques à l'argile, pardon. Il y a celui au charbon, celui à la camomille et celui à l'eau de rose. Voilà, je te les montre comme ceci. Donc ça, c'était chez Action. Ça fait pas le focus, je suis en train de fondre. Je suis en train de disparaître devant toi. Ce haul est nul. Ce haul est nul parce que je te dis pas les prix, c'est tout mélangé. Mais c'est pour te montrer. On va plutôt dire que c'est que je te montre mes achats. On va pas forcément considérer ça comme un haul du coup. Hein. Moi je les ai pas essayés, mais mon mec les avait déjà pris une fois d'avant. Donc il a repris des petits savons comme ça pour le visage. Donc ça, tu as celui-là, pardon, qui est au charbon. Tu as celui-là qui est à l'aloe vera, comme ceci. Et tu as celui-là qui est à l'huile d'olive. Voilà, je crois que ça c'était aussi chez Action. Je suis plus sûr, je crois. Ou chez BM. Ou chez Normal. Bon, bah hyper intéressant. Hein. Voilà, un lot de 3 perfume change. Il y a du water lily, donc du water lily et de la pomme. chez BM, on a pris ces deux produits de la marque Fabulosa que tu peux, enfin, tu trouves la marque chez Action. Ceux-là, je les avais jamais vus dans mon Action en tout cas. Là, c'est un désodorisant ambiance et tissu bijoux de soirée. Ils sont très très bons. Et le nettoyant multi-surface, le ozone, l'odeur ozone, j'ai adoré. J'ai vraiment, celui que j'ai acheté il y a 3 semaines maintenant, je ne me rappelle plus du nom, une tuerie. L'odeur est ouf et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, on a profité de les trouver chez BM. Faut pas dire à Action, d'accord, tu dis rien. Chut. Et enfin, pour BM, la dernière fois, je les avais aussi achetés. Et par rapport au prix, en fait, des liquides dans les magasins de cigarettes électroniques, c'est ouf. 7,99 je crois la fiole de 50 ml alors que c'est normalement entre 18 et 25, ça dépend lesquels tu prends. Donc tu vois, moi j'ai repris ces deux là parce que généralement je suis beaucoup plus liquide gourmand que fruité ou frais, etc. Caramel, noisette et vanille et tarte au citron. Voilà, donc ça c'est pour mettre dans ma cigarette électronique. J'ai repris des petits boosters aussi en nicotine parce que j'ai toujours besoin de nicotine. Vois-tu. Donc voilà, 7,99 il me semble, et ça vaut le coup. Alors c'était pas l'explosion, genre c'est pas mes liquides, mes e-liquides pardon préférés, mais en termes de prix, à un moment donné, hein, bon, très bien. Il fait chaud. Il y a ma vidéo haul tenu qui est sortie ce soir, et je suis très 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 content, parce que déjà vous êtes quelques-uns à avoir rejoint la chaîne avec cette vidéo, donc bah bienvenue officiellement, voilà, nice to meet you. Et bah écoutez, je suis très content parce qu'elle elle reçoit un très très bon accueil, donc c'est cool. Ne me forcez pas à refaire des haul tenu régulièrement parce que c'est... par contre oui, toujours, je suis archi fan et je les porte tous les jours, voilà, donc très très content. Mais merci pour l'accueil du coup que vous faites à la vidéo. Je suis assoiffé, j'en peux plus. Il faudra aussi qu'on discute un petit peu. J'espère que j'arriverai à prendre le temps demain, non. Demain j'ai pas le temps. Mais peut-être vendredi pour te parler de 2-3 petites choses. Je suis en train de réfléchir à plein de choses. Je crois que je t'en ai déjà plus ou moins parlé mardi, hier, du coup, quand j'ai ouvert le vlog. Mais ça se dessine un peu plus. Et je pense que ma décision est bien prise, mais j'ai des petites choses à régler avant. Mais bref, fais-moi penser à te parler. Là, ça ne veut rien dire, parce que tu ne sais pas. Le flou artistique, on ne sait pas. Pourquoi tu veux... Là, tu vas me dire, Nicolas, c'est... J'ai enlevé ma montre, mais c'est pas loin de minuit et demi. Tu ne ressembles à rien. Tu es en face, là, de la ring light et sous la lampe. Ça ne change pas la luminosité, mais il y a une lampe au-dessus de moi. Du dressing, il fait 70 degrés. Pourquoi tu ne vas pas te poser, bébé, tranquillement? Et eh bien parce que. Parce que donc, nous avons été chez Normal. Et que ne vois-je pas chez Normal? Je ne te parle pas du sac. Mais je te parle de ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Il s'agit de la mystery bag, du mystery bag de chez Normal du coup. Donc, tu connais comme je suis impatient. Tu sais, je suis impatience. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, non, I can't wait. Donc, là je vais arrêter la séquence du vlog pour là maintenant ce soir. Je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait, je te le présente, mais je ne dis pas ce que c'est. Ils ne les ont pas forcément tout le temps. Donc, mais certaines fois dans l'année, en fait, les magasins Normal proposent une pochette surprise qui coûte 10 euros.
Et à l'intérieur, il y a normalement des articles qui en valent plus. Un petit assortiment d'articles qui en valent plus. Et tu ne sais pas, du coup, ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais tourner cette vidéo ce soir, en fait. Je ne sais plus parler, elle va être nulle. Remember, happiness comes when you least expect it. You can find this mysterious bag in your normal store. Alors, rappelle-toi, souviens-toi. Non. Ce que tu vas faire, c'est que si tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette surprise, eh bien, rendez-vous mercredi sur ma chaîne. On fait comme ça? Allez, c'est parti, on fait comme ça. Je te dis à tout de suite pour toi. Et souhaite-moi du courage pour moi. Bisous! I'm feeling way too low to start this night, but I wanna get to your bash. Salut YouTube, je te prends très rapidement. C'est là, je suis en déjeuner, tu vois. Donc quand même, ça se fait pas, je vais pas faire attendre mon hôte. Mais je vais te le présenter parce que je me suis rendu compte qu'il y a 3 semaines, on a fait l'inauguration du cabinet au Junkies. Et puis il t'a même pas parlé. C'est archi nul. Donc au moins que tu mettes un visage sur ce lieu de repos et de sérénité quelque part. Et puis après on va déjeuner quand même parce que on va passer du temps ensemble. Mais il va te dire quelques mots. Il vient de me dire je sais pas parler. On s'en fiche. Terence, on s'en fiche. Salut Terence. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'avoue. Je suis Terence. Il y a quelques temps on a fait l'inauguration du cabinet de Genkides et c'était une magnifique soirée. J'étais vraiment très content de passer ma journée avec Nico. Qui est votre chef d'orchestre. Et voilà, là maintenant on va manger un petit peu parce que j'ai grave la dalle. Voilà, c'est ça. Et j'espère vous retrouver un de ces jours, on ne sait jamais. Allez, au revoir. Merci à toi. Je vais couper la chic du coup, pardon. Tu dis au revoir et j'ai repris la caméra. Genre l'égoïste, c'est ma chaîne. Tout ça pour dire que si jamais tu es de la région, vous n'êtes pas hyper nombreux à me suivre de ma région à moi. Mais n'hésite pas, je te le redis, à t'abonner à l'Instagram de Junkies, je te le mets dans la barre de description. Et puis à le suivre sur Instagram et sur le compte secondaire d'un aventurier. Un aventurier Dragon Ballistique-esque. C'était dur à dire ça. Bon allez, on va déjeuner et puis je te dis à tout à l'heure parce qu'après on va refaire les ongles YouTube. Ouais, ça fait déjà 3 semaines, un mois, je sais pas. Enfin bref, on va changer tout ça. Je suis trop content. À toutes. Hey, salut YouTube. Je te prends au milieu d'un... Bref, je te prends. Dis donc. Hein? Dis donc, tu prends qui? Bonjour madame. Très bien. Je t'en parlerai sûrement encore sur Instagram et sur YouTube, etc. Mais là, j'ai bu un café avec une vieille... Ah, une ancienne. Une ancienne amie qui a créé son entreprise il n'y a pas longtemps. Et je la suivais sur Instagram, c'est juste trop trop beau ce qu'elle fait. Mais reste connecté, je t'en reparlerai certainement très très vite. Je te présente Miss Carotte Cake Couture. Ah, et regarde mes ongles, je ne les ai pas montrés déjà. Pardon, excuse-moi, j'imagine ce que j'ai. Ils sont trop beaux, mais je te les remontre après. Voilà, donc Caroline, est-ce que tu peux dire bonjour à ma communauté YouTube? Salut la communauté. Salut. Et qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous très brièvement parce qu'on va se revoir et on va en reparler. Alors, je fais plein de choses. Je mets des paillettes dans ta vie. Je te donne la banane. Non, pour le coup, je fais des accessoires. Mais t'en as une? T'en as deux sur toi? Regarde-moi comme c'est trop trop beau YouTube. Alors, regarde, je la mets. Et dis-moi en commentaire, mets sur pause, enfin tu mets sur pause après. Comment s'appelle ce modèle? Tu as 10 secondes pour répondre en commentaire. Roland Garros bébé. C'est trop beau, on est d'accord, voilà. Ou pas? Mami Pike. Et donc on peut te suivre sur Instagram. Sur Insta, donc Carotte Cake Couture. Je te mettrai en barre de description de toute façon le truc. N'hésitez pas et retrouvez-nous bientôt. Très bientôt. Chut. Mais voilà, franchement, je suis archi fan. Et il y a autre chose, mais on peut pas encore le dire. On peut pas encore en parler. Ouais, donc on dit rien. Mais si vous regardez bien, il y a des indices. Il y a des indices. Et faut la suivre du coup pour en savoir plus. Et je viens de te demander, tu livres du coup si jamais? Je livre si jamais, ouais. Exactement. Donc si tu es intéressé YouTube par les créations de Carotte Cake Couture, les bananes sont trop trop belles. Il y a des sacs, il y a de tout, clairement. N'hésite pas à la suivre sur Instagram. Quant à moi, vu que tu ne dois pas m'entendre, on te dit au revoir. Salut. Je te reprends tout à l'heure pour la suite de ce vlog parce que je vais conclure aujourd'hui étant donné que samedi et dimanche je suis pris et lundi je suis pris pour un autre projet dont j'ai plus ou moins commencé à te parler hier et j'aurai pas le temps de faire le montage sinon, donc je vais cordialement fermer ma gueule et te faire le montage de ce vlog. Voilà, on fait comme ça YouTube, sous la pluie, au milieu de Devon. Bisous. Re YouTube. Je te reprends dans la voiture parce que en fait je sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas si je te conclue maintenant
ou si je te reprends un petit peu plus tard, mais je vais pas mal avancer, voire quasiment finir le montage d'ici que je t'aurai repris. Bref, là, je me parle à moi-même. Ça ne t'intéresse peut-être pas. J'étais très, 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 très content de revoir Caro, donc de Carotte Cake Couture que tu viens de voir. C'était une amie, enfin, c'est une amie, on se connaît depuis le lycée, donc je te parle d'un temps, encore une fois, jadis. Et effectivement, elle s'est lancée il y a quelques mois maintenant dans sa passion pour la couture en créant des bananes, des accessoires, plein de nouvelles choses arrivent, mais j'ai pas le droit d'en parler, donc chut, je ne dis rien. Mais c'est vraiment très chouette de la revoir, et puis bah écoute, on va faire des petites choses, donc c'est bien, je suis très 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 content. Je voulais te parler aussi d'un truc. Cette semaine, j'ai eu une grosse continuation de remise en question sur plein de choses, sur le futur, sur mon activité, mes activités, je sais pas trop comment le définir, mais je sais pas où te regarder, c'est chiant, on filme avec le téléphone, mais j'ai oublié ma caméra à la maison, et vu qu'il y a le mari à la maison et que j'aime pas trop filmer, en tout cas vlogger, me confesser quand il y a quelqu'un qui m'écoute, je profite de ne pas être encore rentré pour le faire. Bref, on va y arriver. Remise en question, je disais, parce que je sais pas. Donc, j'aimerais quand même avoir ton avis, même si de toute façon, ce sera moi qui décidera de ce que je vais faire, de mon avenir plus ou moins professionnel. On va dire, c'est du professionnel parce que ça, c'est un complément d'activité. En l'occurrence, ça sera mon activité principale pour l'instant. Mais voilà, j'aimerais quand même ton avis, parce que ça risque d'apporter plus de choses sur mon contenu, que ce soit sur YouTube ou Instagram, mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ça prenne le pas sur tout ça, parce que je ne me définirai pas que comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Là, vu que je ne t'explique qu'à moitié, tu dois rien comprendre, et tu as bien raison de rien comprendre. C'est normal, ne t'inquiète pas. Tu n'es peut-être pas sans savoir que depuis... Depuis 2020, je collabore avec un laboratoire américain de cosmétologie, de skincare, etc., qui s'appelle Nu Skin. Donc, tu sais, il y a la brosse nettoyante, le Lumispa, qui est la brosse nettoyante la plus vendue dans le monde. Il y a aussi les appareils galvaniques, donc à courant galvanique, pour lutter contre la cellulite, tout ça. Puis plein d'autres choses, les routines, les sérums, l'anti-âge, le collagène, les compléments alimentaires, tout ça. Peut-être que je te dis, tu n'es pas sans savoir, mais en vrai, comme ça fait très longtemps que j'en parle plus trop, bien peut-être que tu ne le sais pas. Donc en quel cas, je te l'apprends. Actuellement, là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes... le 30 juin 2023, je suis toujours collaborateur, on va dire, partenaire Nu Skin. Voilà, donc je conseille les produits, etc. J'ai mon e-shop qui est toujours dans la barre de description de la vidéo, etc. Ces produits, j'en suis toujours très très content, j'en suis toujours dingue, je les adore toujours, je les adorerai toujours. Jamais je renierai l'expérience ou quoi que ce soit. Il est vrai par contre que c'est des produits qui sont assez onéreux. Je peux pas dire les prix, mais de toute façon, si tu as été voir sur mon e-shop, tu es au courant des choses. Et si tu les connais déjà, tu sais que c'est effectivement des produits très haut de gamme, brevetés, etc., etc. En termes de technologie, voilà, c'est vraiment ouf. Mais j'arrive à un moment donné où c'est pas que ces produits me parlent moins, mais c'est que j'ai envie de m'ouvrir d'autres portes, en fait. Et d'autres portes peut-être plus simples, plus intuitives, et d'autres portes plus abordables, si on ne va pas se mentir, mais pour moi-même, pour les consommer moi-même, ou aussi pour les conseiller et entre guillemets les vendre, parce que du coup, ça sera une vente, mais avec commission, en fait, du coup. Je te parle de tout ça parce que, effectivement, je suis quelques créatrices de contenu qui sont dans cette entreprise, que ce soit sur YouTube ou Instagram, etc., etc., etc. Et il s'agit de Joli Moi. Donc, je ne sais pas si tu connais Joli Moi. Joli Moi, c'est un site français, c'est une marque française, une marque multimarque. Donc, sur les sites Joli Moi, tu retrouves plein de marques hyper connues comme, je ne sais pas, Manucurist, Embryolis, MAC. Voilà, c'est vraiment de tout. Il y a du skincare, il y a du make-up, il y a du bien-être, il y a des compléments alimentaires, tout ça. Donc, ça regroupe plein de choses que j'ai déjà dans ma boutique Nu Skin. Il n'y a pas des produits Nu Skin, mais bref, tu as compris les éléments. Mais par contre, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus abordable. Et je me dis, écoute, dans la vie qui ne tente rien à rien, pourquoi pas du coup arrêter Nu Skin ? Ça m'embête parce que je reconnaîtrai toujours
la qualité, l'efficacité et tout ça des produits. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, maintenant, tout de suite, quand je te parle, quand j'ai commencé Nu Skin, c'était juste un plus. Juste, entre guillemets, on se comprend. Mais c'était juste un plus, quelque chose que je faisais en plus de mon travail de tous les jours, etc., etc., etc. Ça marchait correctement. Mais ça, je t'avoue que ça n'a pas marché comme j'avais envie que ça fonctionne, quoi, au départ, si tu veux. Et là, je me dis, comme j'ai pas d'activité, qui dit pas d'activité, pas d'activité, à part les réseaux, évidemment, que j'adore, hein, je suis pas du tout en train de me plaindre, pas du tout. Mais pourquoi pas, je me dis, essayer de commencer à relever un petit peu la tête de l'eau et effectivement, pourquoi pas donner une autre expérience de vie et avoir une opportunité différente, etc., 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 qui, je pense, j'espère, je ne sais pas, ça dépendra de comment je le fais, ça dépendra aussi du facteur chance, peut-être, ça dépendra aussi beaucoup de mon audience, que ça soit sur Insta ou YouTube, etc., voilà, si... Je sais pas. Mais je me dis, ouais, j'ai quand même envie d'essayer Joli Moi, parce que je pense que ça sera beaucoup plus simple et accessible, pour tout un chacun, et voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses, évidemment si je me lance dans cette entreprise de vie, cette aventure de vie, tu seras au courant, je te le dirai. Là il y a de fortes chances que je le fasse, mais j'ai pas encore pris vraiment ma décision. Voilà, je ne dirai pas encore pour l'instant qui sera ma marraine, mais peut-être regardes-tu mais peut-être regardes-tu ce vlog, donc voilà, on en a déjà parlé en off. J'ai très envie quand même. Mais je me dis, voilà, je me permets de te demander ton avis, savoir si on va mettre l'église au milieu du village, les barres sur les points sur les i, les barres sur les t. Est-ce que tu serais susceptible de me suivre dans cette aventure? Est-ce que tu serais susceptible de, je sais pas, de craquer, d'acheter des produits? Est-ce que, voilà. Encore une fois, donc moi, je serais, entre guillemets, revendeur, conseiller. J'ai pas encore tout le vocabulaire, mais t'as compris. Mes ongles sont vraiment très, très beaux. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Elena, tu as fait un travail vraiment de dingue. On adore. Merci beaucoup. Avec le petit... c'est trop beau. Je suis archi fan. Je suis vraiment très fan. C'est pas ça que je disais. Est-ce que tu serais susceptible, effectivement, de me soutenir, de me suivre, de consommer, etc. À savoir que, évidemment, moi, quand admettons que tu achètes un produit sur le e-shop que j'aurais peut-être à mon nom, tout l'argent ne me revient pas, c'est des commissions, voilà, c'est vraiment ça. C'est pas moi qui vais te l'envoyer, c'est tout Joli Moi qui prend en compte, l'envoi est hyper rapide, c'est carré, c'est... voilà. Nu Skin, c'était très carré aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je m'interroge, je me remets en question, j'ai mal au dos, je sais pas. Parce que moi, honnêtement, je te dis, j'ai envie. En vrai, j'ai très, très, très envie. Clairement, j'ai envie. Mais je me dis, m'investir là-dedans, avoir envie, m'investir, prendre du temps pour les formations, etc., qui sont de toute façon très intéressantes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour que, effectivement, derrière, ça patauge un peu, je suis à nouveau ouvert à la déception, tu vois. Mais pas tant que ça. Enfin, j'ai pas la force là de resubir un échec, entre guillemets. Même si tu vas me dire, chaque expérience n'est pas un échec, elle est censée être vécue comme une aventure et comme une expérience de vie, comme je viens de le dire. On est d'accord. Mais voilà, j'avais envie de te partager un petit peu tout ça, en te regardant pas vraiment comme il faut, mais bref, tu ne m'en tiendras pas rigueur, je le sais. Voilà, j'avais envie d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà. C'est tout. De toute façon, je vais continuer à m'enseigner. Et puis, je t'en dirai plus quand soit j'aurai pris une décision ou quand j'avancerai dans ma réflexion. Mais peut-être un petit changement là-dessus. Voilà. Un nouveau départ avec Joli Moi. Parce que même si on s'aime pas trop physiquement, on est plutôt joli. Voilà, c'est tout. C'était la partie un petit peu confession dans une voiture. Et j'attends ton retour en commentaire. Voilà, j'attends que tu me dises. Sans tabou, on se dit tout, il n'y a pas de problème. Après, je ne te forcerai pas à acheter chez moi. Hein. Je veux dire, c'est le deal. Mais en même temps, si je suis là pour toi, je suis là pour toi, tu vois. donc bon. Et c'est tout. Si jamais, par contre, je te le dis, parce que attention, si tu as envie de me soutenir et tu as envie que je sois ton conseiller beauté, ton styliste beauté, tu peux aller voir les sites Joli Moi, etc. Mais ne t'inscris pas, parce que du coup, tu seras pas avec moi si tu t'inscris avant que moi-même ça soit officiel, tu vois.
Donc voilà, le mec il prêche pour sa paroisse. Non mais c'est vrai, vous pouvez aller faire les curieux, mais ne vous inscrivez pas sur le site, sinon vous allez passer avec quelqu'un d'autre et vous n'aurez pas la joie d'avoir un styliste beauté vraiment de qualité. C'est tout. Bon allez, je vais mettre le contact. Regardez l'heure qu'il est. Je vais aller regarder sur mon téléphone. Bête que tu es, il est là. Midi 17. Ouais, bah, je cadre très mal. Je vais rentrer et puis bah, commencer le montage de ces vlogs. Soit je te fais la conclusion cet après-midi, soit je réfléchis et entreprends un petit peu ce soir, et puis demain, et puis dimanche. Ou alors je mets les journées dans les prochains vlogs. Je sais pas. J'ai perdu le noir, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Très, 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 très dégoûté. Je t'ai dit que j'étais dégoûté. Encore bienvenue et merci pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées là suite à mon petit haul tenu. Madame, vous reculez, c'est bien. C'est bien. Merci. On préfère que ça ne me rentre pas dans le derrière, n'est-ce pas? Bien, merci, bienvenue et enjoy your trip. Enjoy votre voyage sur les Addictions Airlines. Allez, je te laisse. J'ai mal au dos. Et je te dis à tout de suite. Oh, don't need apologies enough for this. I'm burning for you. Can't get enough of the weekend. Dimanche 2 juillet, il est 22h54. Je m'apprête à te faire la conclusion de ce vlog. Je ne t'ai du coup absolument pas pris ce week-end parce qu'hier on a profité de la baby shower de ma cousine. Et puis je lui ai pas demandé si je pouvais filmer, mais on a tout simplement profité du moment. C'était hyper cool et maintenant on a trop trop hâte que bébé arrive. aujourd'hui on était chez les garçons, petit barbecue, petit hamburger sympa. Je t'ai juste filmé les burgers du coup. Tu les aurais vus juste avant chez James et Thomas. Merci encore les copains pour votre accueil. Voilà, voilà. Et puis, Valoche, Valérie aussi et Soraya. C'était une journée très sympathique. Autant te dire que je suis un petit peu au BDR. Il est 22h55. Je dois finir le montage du vlog. Peut-être faire la miniature ce soir, je sais pas, ou demain, on verra. Parce que demain, toute la journée, je pars très tôt. Je pars à 8h. Et je te filmerai pour le prochain vlog où tu verras sur Instagram tout ça, mais t'as eu des petits indices déjà avec la personne masculine avec laquelle je vais faire une activité demain. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais du coup voilà, on part. Je ne t'en dis pas plus, tu verras ça soit la semaine prochaine, soit sur Insta. Et ça va prendre une bonne partie de la journée, je sais pas trop quand est-ce que je vais rentrer, donc j'aimerais qu'il y ait le moins de choses à faire, tu vois, pour le vlog là que tu es en train de regarder. Donc je vais essayer, tenter d'être bref. J'espère en tout cas que ce vlog t'a plu. Je me réjouis de te lire en commentaire par rapport à toutes les petites questions que je t'ai posées. Et puis on se retrouve du coup mercredi pour ma vidéo, une autre vidéo surprise, crash test, mais pas tant de surprise que ça, parce que je crois que je t'ai dit dans ce vlog. Oui c'est ça, c'est la pochette surprise de Action. Normal. Donc on se retrouve mercredi, prends ton agenda. Mercredi et vendredi. Et lundi prochain, j'espère que tu as noté ça, j'espère que tu seras là. Tu n'oublies pas de commenter, de liker et de t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? C'est tout pour moi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. Surtout en ce moment du coup, on en parlera peut-être la semaine prochaine ou pas, mais voilà, on est tous sensiblement au courant que la situation actuellement en France est plus que... Ça n'a plus de raison, clairement, ça n'a plus aucune raison. Donc vraiment, prends soin de toi, fais attention à toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. J'ai oublié l'émoticône. Oulala, ça va pas du tout. Attends, émoticône. De quoi qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine? L'émoticône. Si. L'émoticône, mais l'émoticône. Est-ce que t'as bien compris que c'est l'émoticône? L'émoticône du bonhomme qui fait comme ça, genre il se pose des questions, tu vois, genre. Il est comme ça, je crois. Voilà, on va mettre ça en émoticône de la semaine. Donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.